bonsoir à tous. C'est moi qui suis très honoré d'être ici. Je croyais qu'il fallait être mort pour parler de mon promo, mais pas encore. On va être superstitieux non plus, du coup. Que vous dire? D'abord, vous féliciter. Si on est là ce soir, c'est une étape pour vous. Pas un achèvement, bien sûr, mais une étape. Dans une voie qui, je l'espère, va vous amener vers ces métiers qu'on n'arrête pas d'expliquer comme étant passionnants. Dans le domaine de la sécurité numérique, de la cybersécurité et puis d'autres métiers connexes. On a absolument besoin d'avoir de jeunes talents engagés dans ces métiers-là. J'étais toute la journée pour la première fois avec l'ensemble de mes homologues européens, presque tous, même les Britanniques qui étaient encore là. Et après plusieurs discussions sur des sujets techniques, des sujets assez complexes, de certification, de régulation, de trucs qu'il ne faut pas forcément rêver d'ailleurs, c'est pas avec ça qu'on va attirer forcément beaucoup de jeunes vers la cyber, mais enfin des sujets de fond qu'il faut qu'on soit capable de traiter, notamment à l'échelle européenne. À un moment, il y en a un qui a percé l'abcès et qui a dit, mais okay, tout ça, on le sait bien, le sujet majeur, c'est le sujet des ressources humaines, le sujet majeur, c'est celui de la formation, le sujet majeur, c'est vraiment d'attirer des talents vers nos métiers, être capable de les avoir chez nous, au sein de nos agences, mais également dans tout l'écosystème, chez nos industriels, chez tous ceux qu'on souhaite protéger. On a aujourd'hui une pénurie de talents qui est réelle, qui n'est pas totale. On a la chance en France d'avoir de très bonnes écoles. Le GE en fait partie, je vous félicite encore pour ce que vous faites, et je souhaite que ça continue à se développer. Mais il y a un problème de quantité, si on peut dire ça dans le domaine RH, c'est pas très bon. De fait, on manque de talents. Et puis ces talents, il faut être capable de les retenir. Alors là, ce n'est pas à vous que je vais m'adresser, mais c'est à vos futurs employeurs. Il faut impérativement que ces futurs employeurs ils vous proposent des métiers passionnants. Parce qu'on est dans un secteur où il y a des métiers passionnants. J'ai la prétention à Nancy de proposer des métiers passionnants. Un message nominal, ce que je viens de dire. Donc surtout, avec ce que vous avez appris, avec votre savoir-faire, l'avantage est de votre côté. Si je peux, en tant que parrain, je peux faire un peu le vieux chouf. Et me permettre un conseil. L'avantage, il est de votre côté. La pénurie, elle est du côté de l'offre et pas de la demande. Donc surtout, éclatez-vous dans vos métiers. Éclatez-vous, c'est pas forcément gagner énormément d'argent, hein, pas non plus. Ça peut être une motivation, mais il y a plein d'autres motivations dans ces métiers qui sont absolument passionnants. Il y a des motivations liées à la technique. On touche des matières qui sont absolument incroyables. Donc il faut aimer ça, évidemment, si vous êtes là, c'est aimer ça. Dans les choses passionnantes, il y a les valeurs que l'on peut incarner. Je sais qu'au sein de l'ANSI, il y a beaucoup d'agents qui sont là, qui pourraient être ailleurs, mais ils sont là parce que, non pas par un patriotisme un petit peu désuet ou un petit peu mal placé, non, parce qu'ils ont des valeurs. Et le fait de servir, le fait de se lever le matin en disant, ben voilà, je sais à quoi je sers, j'ai une utilité dans la société, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur aussi. Et je vous encourage évidemment à en profiter au début. C'est là que l'on peut en profiter le mieux. Et puis surtout, il ne faut pas vous embêter. Voilà. Le jour où vous vous embêtez, il ne faut pas rester. Donc, en tout cas, il faut lancer des signes d'alarme très fort. Donc voilà, je ne veux pas être trop long parce qu'on a une belle soirée pour nous. Je vous félicite de tout mon cœur. C'est toujours de beaux achèvements. Je vous encourage à venir à regarder tous les métiers passionnants qui existent dans le public, dans le privé, autour de ce que l'on fait. Et je vous encourage à vous éclater, parce que là, vraiment, c'est vous qui avez les atouts en main, c'est vous qui avez les cartes en main. Et voilà, le meilleur est à venir pour vous. Encore félicitations, bravo à tous.